Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Je vous propose finalement, je crois, deux dupes. Un que je tiens dans ma main, un 10 euros, je crois, ou un 9 euros, quelque chose comme ça. On va donc tester l'anti-cerne Revlon, accord parfait nude de chez L'Oréal, du rouge à lèvres de chez Revlon, qui pour moi c'est un dupe d'un autre rouge à lèvres, et une petite mais une superbe palette de chez Revlon également, qui était faite en collaboration avec Ashley Graham. Donc également, je vais appliquer avec vous le gel glue, n'est pas tout à fait glue pour ma part, de chez NYX, et une palette de chez Bourjois pour les sourcils. Alors, sans plus tarder, si vous voulez savoir qu'est-ce que je pense à propos de tous les produits là, continuez à regarder la vidéo et non pas ce maquillage. Désolée pour le soleil qui va nous déranger, peut-être, peut-être pas. Alors, j'ai deux produits pour sourcils. Finalement, j'ai pris le The Born Glue en teinte top de chez NYX. Et j'ai pris également une palette à sourcils brunette. Ne me posez pas la question pourquoi j'ai pris brunette. De la marque Bourjois. Il a un petit pinceau. Pour la poudre, vous voyez. Et pour brosser les sourcils. Et il en a donc trois teintes. Il en a un gel, une poudre et un highlighter. Voilà, ils sont ici. Je vais alors appliquer d'abord le NYX et puis je vais voir comment je vais faire avec la palette. Un tout petit tube. Il en a combien à l'intérieur? 5 grammes à l'intérieur. Je l'ai pris en teinte top. Ouh, il y a un fil qui est. On va voir. Top, la teinte, oui, elle me convient. Ça se met bien en place. On dirait que ça sèche. Bon, à voir parce que, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, j'ai le problème, les gels de ces jours-là, ils ne tiennent pas. Mes sourcils, ils retombent. Je prends un petit peu encore. On verra avec celui-là. Peut-être c'est vraiment un super glue. Il me faut vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant pour que ça tienne. Et j'ai pas encore trouvé. Si vous avez les pistes, n'hésitez pas à me mettre. Oh là là, ça commence à retomber. Je vais le replacer encore une fois pour voir si ça va tenir ou pas. Bon, on verra. J'attends que ça sèche. Je vais pas encore utiliser la palette. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Est-ce que j'ai pris encore l'anti-cerne de chez Revlon? Sachez que je l'ai jamais testé. J'ai pris en teinte 015 Light. Alors, je l'ai pas encore ouvert. Je vais essayer. J'ai attendu beaucoup de bien à propos de cet anti-cerne. Ouh! Parfait. Tip top. Alors, Revlon Color Stay Full Coverage Concealer. Bah, il y en a en français. Anti-cerne haute couvrance. J'ai jamais testé cet anti-cerne. Donc, je vais vous déjà montrer la texture. J'espère que le soleil nous dérange quand même. C'est un tout petit peu pêche, mais normalement, j'espère que ça oxyde pas. On dirait que ça oxyde pas. Donc, je vais commencer par anti-cerne. Et puis, je vais continuer avec les, je sais même pas combien il faut mettre. Avec les sourcils, je veux dire. Purée, c'est quand que je vais apprendre à terminer mes phrases, les filles? C'est grave. Alors, c'est un peu quand même, on voit hein, que c'est un peu jaune. Okay, on va l'estomper. Je vais pas poudrer non plus. Ah oui, ça couvre bien. Mais pour moi, l'important que ça bouge pas, que ça rentre pas dans les plis. Ça va, la teinte, elle est pas mal. C'est pas, je croyais que ça allait être un peu trop jaune. Mais ça va, avec ma carnation, celle-ci, ça va. Il m'a coûté moins de 10 euros sur Amazon.
Et j'ai oublié mon but, c'est vraiment dur. Le pont, je veux dire, de tapoter avec les mains. Je vais en rajouter un petit peu. Ouais. J'ai un fond d'étain pas trop couvrant, mais j'ai envie de voir l'anticerne, comment est-ce qu'on peut le construire ou pas. Ah, vous savez quoi, j'aime pas trop le rendu en deuxième couche, ça marque, ça commence à marquer. Parce que seulement la première couche, elle est déjà sec et donc c'est un petit peu, ça a pas bien mélangé deux couches. Soit on fait directement une grosse couche, soit il vaut mieux de ne plus aller, quoi. Ça couvre bien, ça corrige, c'est pas mal du tout. C'est ce que j'estompe après. Peut-être je vais même chercher mon éponge. Je dois descendre, je suis fainéante. J'ai envie de tester tout, tout, tout. Non, c'est pas encore, mais ça a retombé, vous voyez. Je vais essayer de les remettre, mais ils sont retombés. Je vais essayer d'ajouter encore du produit. Peut-être il n'y avait pas assez. Mais ça tenait bien quand même. Je ne sais pas quoi dire. Ça tient super bien comme ça quand on le place. Et après, donc ça. Alors, comme fond d'étain, j'ai pris L'Oréal Sérum Tinté Répulpant. J'ai pris celui-là avec la pipette. Et, ne pas aller chercher l'éponge, j'ai pris un pinceau. Regardez, à mon avis, c'est un dupe des It Cosmetics. Je vais juste ouvrir parce que c'est encore scellé. Si j'arrive. Donc, c'est la marque Lamora Hair Foundation Brush. On va voir parce que sur. Ouh, regardez-moi cette mignonnerie. Regardez-moi ça. C'est vraiment un dupe. Regardez-moi cette beauté. C'est exactement la même chose. Donc, c'est avec cette pinceau-là. Je vais juste le désinfecter avec mon spray exprès pour le pinceau pour le désinfecter. Hop. Ok, le pinceau est désinfecté. Va pouvoir ouvrir, purée. J'aurais dû me préparer et ouvrir avant. Tout ça. Donc, avec 1% d'acide hyaluronique pur, la teinte Very Light qui va du 0,5 à 2. Voilà. Je le secoue. Écoutez, mais le pinceau, je suis agréablement surprise. Alors, je vais ouvrir. La teinte, elle me paraît bien. Ok, donc, je vais faire la moitié du visage. Pour ne pas oublier, je fais 1, 2, 3, 4 gouttes pour voir est-ce que ça suffit ou pas. Oh, la teinte, elle est. Oh, la teinte, elle est très, très bonne. Oh, c'est les textures que j'aime beaucoup. L'anticerne, elle est très, très jaune. Je le recouvre. Je vais rajouter encore. Comme ça. Hop. Je recouvre un petit peu l'anticerne. Très hydratant. Ça, c'est les textures que j'aime. Pour ma peau mature. Bon, l'anticerne, elle est vraiment, c'est pas du tout adapté à ces fonds de teint. Mais bon. On fait avec ce qu'on a acheté, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut le moduler? Parce que je me rappelle même pas. Qu'est-ce qu'il disait à propos de ces fonds d'étain dans le site? La texture, j'aime beaucoup. Ça corrige, regardez. Le teint fait, le teint parfait. J'aime beaucoup. Écoutez, les peaux matures, les filles, on peut y aller. Ça et Dr. Jart. Ça va être vraiment mes combos de l'été. Je vais faire l'autre partie du visage. Alors voilà le rendu. J'ai quand même descendu en bas pour prendre mon éponge. Alors voici le rendu des fonds d'étain. J'aime bien. Il est vraiment pas mal. Reste à voir en évolution.
Mais il est vraiment pas mal, on le sent pas, il est waouh. Alors, j'ai rien pour le reste du temps, je vais réutiliser donc mes produits de chez Eveline et on va continuer avec les sourcils. Il faut le terminer hein, comme. Mais non, 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 j'ai failli oublier. Oh, j'ai les produits pour le teint, j'ai la palette en fait, à la recherche de la palette parfaite pour partir en vacances. J'ai continué ma quête. Alors, j'ai acheté la Tropical Vibe Face et Face, pas du tout Face, and Eye Kit Post Beige Glow du Revlon plus Ashley Graham. Graham. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Il a donc un highlighter et un bronzer à l'intérieur. Je vais l'ouvrir, ah, le fermer, le sceller. D'habitude. Voilà. Hop là. Et bon, j'ai réussi. Alors, on va voir à quoi elle ressemble. C'est trop curieuse. Voilà donc la palette. Il en a deux quads, des fards. Il a un highlighter et un bronzer. On va vite swatcher tout ça. D'abord le bronzer et un highlighter, n'est-ce pas? Ou la texture des highlighters. Oh my god. La poudre bronzante elle est un peu trop sèche, mais l'highlighter, regardez. Ouh là là, ça promet. Donc, je vais d'abord appliquer le bronzer. Ça se prélève super bien sous le pinceau. J'ai fait quand même, j'ai peur. Et je vais l'appliquer. Pourquoi j'ai pris ces pinceaux? Vous savez pas, moi non plus. J'ai préparé un autre, maman. Donc, on y est. J'ai pas poudré mon teint, hein, si vous vous rappelez bien. Je n'ai pas poudré mon teint. J'ai mis mon miroir agrandissant ici pour voir à quoi ça ressemble en plus près, en vrai. La poudre est fine. Qui part en vacances, c'est où les filles? Est-ce que vous allez partir? Moi, je ne sais pas encore. Nous, c'est toujours à la dernière minute, comme je suis éleveuse des chats, donc. Il y a les portées qui vont arriver. Et donc, il faut qu'on fasse entre les portées. Voilà. Avec. Je vais un petit peu contourer mon vieux visage. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je sais qu'il de ce côté-là, je crois qu'il en a un peu plus de la lumière parce que j'ai la fenêtre qui est un petit peu décalée. Donc, j'aime bien. C'est le pinceau MAC qui perd le poil. Ça, c'est bizarre. J'aime bien. Validé. Je vais donc utiliser le blush de chez Eveline. Donc, highlighter, on va essayer quand même highlighter. Je prends un pinceau comme ceci. J'espère que vous n'attendez pas les bruits là parce que j'ai le parc derrière. Il y a le travaux au parc. Isolé. Extraordinaire. Là, je tiens quelque chose. Regardez comme ça polie. Oh là là, j'aime beaucoup. Regardez-moi cette beauté. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Les deux là. Tip top. Il faut que je termine quand même mes sourcils qui sont retombés encore une fois. Impossible de les garder en place. Alors, je vais tester cette palette-ci, mais avec mon pinceau à moi. Donc, je vais prendre la poudre d'abord pour combler mes trous dans les sourcils, créer la ligne également. J'aurais dû peut-être le faire avant. En tout cas, ça marque bien. Mais je n'en ai pas. Avec le gel qui a déjà comblé, j'en ai
Pas beaucoup, beaucoup. Faut juste que j'écris ma queue de sorcier. Mais voyez, le gel, je le sens qu'il est toujours en gel, quoi. Il est pas fixé. Dommage. Fond de teint, ma fille. Je fais de matière. Et au le nez. J'étais tellement contente. Juste tout à l'heure, et là, du coup, j'estompe le pinceau. Là, je vais prendre la teinte claire. C'est un crème, un genre highlighter. Et je vais voir si j'ai... Oui, c'est un joli highlighter, d'ailleurs. Pour souligner ma ligne. Oh là là, c'est très joli. Ça, j'aime bien. Ça, c'est sûr que j'avais utilisé. J'avais le même genre, mais mat. J'ai adoré. Pas besoin de beaucoup. Et ça tient super bien. La ligne des cils. Et voilà quoi, j'aime beaucoup. Ça, oui. Ça, j'adore. Après, il faut que je teste le gel également. Mais bon, ça va être pour une autre fois. Alors, maintenant, on va continuer avec la palette, n'est-ce pas? Alors, je vais swatcher. D'accord? On va d'accord. D'accord. On va d'abord swatcher. L'anti-cire, regardez, il s'est fixé, il bouge plus. Pour les contours des yeux, à mon avis, déshydratés comme le mien, c'est pour ça qu'il m'a marqué tout. Il a absorbé toute eau, toute partie humide et ça va pas bouger, mais ça m'a marqué quand même. Donc, je suis pas trop fan de ces highlighters, de ces anti-cernes de chez Revlon. Bien dommage parce que j'ai attendu que du bien. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. Alors, les swatchs, c'est une tuerie. Les textures, la finesse. Donc voilà, les swatchs. C'est très, 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 très beau. J'adore. J'adore. Donc, je vais commencer par la teinte la plus claire, comme d'habitude, pour juste unifier ma paupière. Elle a l'air un petit peu crémeuse, cette teinte-ci. Je vais voir si on arrive à le prendre, à prélever avec le pinceau. Mais j'ai l'impression qu'elle est crème comme ça. Elle est très, 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 très agréable au toucher. Je vais prendre cette teinte-ci. Ouais, c'est prélève super bien. Et je vais la mettre en creux de ma paupière. Ça s'estompe bien. Sais pas comment me mettre pour bien voir dans trois miroirs que j'ai. Je vais prendre cette teinte-ci maintenant. Ça se prélève super bien. Et je vais mettre au milieu de ma paupière. On a plat. Il n'y a pas de chute. Je vois déjà. Le fard, il se tient super bien sur le pinceau et sur la paupière également. Tip top. Je remonte légèrement au milieu. Pour que ça soit visible avec l'autre partie, ben, l'autre côté du pinceau, je vais prendre la teinte celle-ci, la plus claire. Ça se prélève également super bien. Et ça, je vais mettre hop, au coin interne et un petit peu vers le milieu de ma paupière. Celle-ci, elle est un petit peu pailletée. Elle est très jolie, cette teinte, mais elle est pailletée. Donc là, on risque d'avoir des chutes. Ouais. Deuxième look sur le deuxième œil. Je vais donc prendre cette teinte-ci. Peut bien évidemment mélanger les teintes. Mais moi, j'avais envie de faire quelque chose. Cette teinte-ci, elle est un peu plus orangée que la précédente que j'ai mis ici. Je vais prendre la teinte orange. Vous voyez pas. Celle-ci avec mon pinceau, avec un des pinceaux plats.
Ça se prélève bien, c'est une teinte crémeuse. Je vais la placer, hop, comme ça, en aplat, et puis je vais estomper. Après, je vais prendre cette teinte-ci. Je retourne mon pinceau. Ça se prélève extrêmement bien également. Je vais le mettre en milieu et aller vers quoi? Interne. Donc, je prends le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour estomper entre le fard mat et le fard satiné. Donc, en bas, je vais mettre le bleu. Attendez, je prends la teinte, celle-ci d'abord. Celle-ci pour la descendre en bas, mat. Là. Pour flotter un tout petit peu. J'estompe et je floute. Hop là. Et maintenant, je vais prendre la teinte bleue avec pinceau plein biseauté. Je vais en aplat et puis étirer là. Pas pour que je sois comme ça, une artiste. Une artiste avec son tableau. Voilà, je laisse comme ça pour l'instant. Je vais mettre mon mascara et on va continuer. Je vais réutiliser Evelyne. Alors voilà ce que ça donne sur les yeux avec cette merveilleuse palette. Écoutez, je crois que j'ai trouvé le combo parfait. J'ai testé combien? 3 ou 4 les palettes pour prendre un voyage qui est assez complète. Ici, il manque juste le blush. Le reste, elle est vraiment topissime avec les teintes neutres, avec les teintes qui peuvent être ajoutées en touche des couleurs, comme c'est le orange bleu, même celui-là doré. Regardez ce que ça a donné. Vraiment du maquillage légèrement différent quand même. J'ai utilisé tous les fards. Par contre, l'anti-cerne, j'aime pas mon contour de l'œil. Il est complètement marqué. Alors après, j'ai encore du rouge à lèvres et j'ai encore une palette. Mais bien évidemment, on ne va pas tester la palette parce que la palette, ça va être pour la prochaine vidéo. Mais je vais vous la montrer quand même vite fait. Alors, j'ai acheté deux teintes des rouges à lèvres Revlon. Je vais ouvrir. C'est assez facile. Donc, une Melonette. 0,19. Le packaging, il est vraiment, regardez, je vais enlever après l'étiquette, mais le packaging, il est très bon, mon Dieu, j'ai le crayon partout. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai, j'ai rajouté le crayon de chez Kiko dans la muqueuse et par-dessus, j'ai mis le fard bleu. Et dans cet œil-ci, j'ai appliqué le crayon de chez Charlotte Tilbury, double en bout, donc en bas, j'ai appliqué clair. Et en muqueuse en haut, j'ai appliqué le noir. Ça, j'ai failli oublier de vous dire. Alors, le deuxième, c'est la teinte 023. Donc, une orangée et l'autre un peu. Pourquoi j'ai enlevé mes lunettes? Vous savez pas? Ah, c'est pour vous montrer le truc là. Oui. Alors, 003 pour la rose et 0019. Franchement, je ne me rappelle même plus. Comment faire pour enlever l'étiquette? Allez, hop, j'espère que le col, si, il est resté. Je déteste. Donc voilà, j'ai réussi à maîtriser la bête du rouge à lèvres. J'aime bien le packaging. Il me fait penser d'ailleurs au packaging des Nabla. On va dire le même genre. Celui-là, il est très très bon. Alors, on va ouvrir d'abord 0,19. Ouh là là, regarde, on dirait le Dior. Il est où mon Dior? Il est où mon Dior? Je vous le jure, on dirait le Dior. Waouh! Donc, je vais tester d'abord le rose parce que je crois que je vais garder celui-ci. Ça, je suis vraiment. Waouh! Non, mais regardez-moi cette beauté. Déjà, les swatchs, c'est vrai. Je vais faire ici. Oh! C'est la crème de chez Crème. Ouh là là!
J'ai le vu tous. Ah! Non, mais. Pourquoi personne n'en parle? La texture, elle est très très bonne. Hein? La texture, elle est fine. C'est entre baume et rouge à lèvres. Oh! Bien pigmenté, mais en même temps très léger sur les lèvres. C'est très, 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 très bon. J'adore ça pour l'été. Avec un petit crayon. Waouh! Génial. Génialissime. Donc, le deuxième, je vais vous faire déjà le swatch. Ici. Non, mais je vous le jure, hein, c'est extraordinaire. Mais gravissime. Je vais enlever celui-là et on va appliquer l'autre. Et en plus, quand vous enlevez le rouge à lèvres, les lèvres, il reste hydraté direct. Ah là là. Oui, je trouve qu'avec le maquillage, cette teinte-ci, elle me va mieux. Une pépite. Les filles, c'est une vraie pépite. Mais je vous le jure, ça ressemble beaucoup au Dior. Mais maintenant, je vois pas où mon Dior. Je sais plus où il est. Quelque part, mais bon, vous le trouvez. Alors, ça, je recommande ça. Et pour l'instant, c'est tout. Cette palette, peut-être, le fard, il marque bien. Le highlighter en crème, il fait une super ligne très délicate et la couleur, elle est également délicate. Donc ça aussi, je peux conseiller, mais j'ai pas testé le gel encore. Donc ça, peut-être. Mais ça, c'est un grand oui. Les trois produits là, c'est un énorme, énorme oui. Le fond d'état, j'y me prononce pas pour l'instant parce que je dois la tester quand même. Pendant la journée, voir comment il se comporte et tout. Alors, j'ai acheté encore une palette de la marque Lamora. C'est la même marque que le pinceau. Voici le packaging secondaire. Hop. C'est assez qualitatif. C'est en carton, mais assez costaud. Il a un miroir à l'intérieur. Et voici comment il se présente la palette. J'espère que vous allez voir. Dites-moi après en commentaire à quoi elle vous fait penser. Sachez que dans cette gamme des palettes, la marque, elle propose différentes teintes des palettes. Je crois qu'elle en a orangé, violet. Moi, j'ai pris neutre parce que j'adore le neutre. Vous savez bien. Je ne veux pas vous la souhaiter parce que j'ai envie de la crash tester avec vous en vidéo. Donc, voilà. J'espère, je vais pas trop vous retarder. Alors, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. J'espère que ma découverte. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, est-ce que vous connaissez cette palette? Est-ce qu'elle vous faisait l'œil? Moi, dès que je l'ai vue, j'ai dit, ah oui, ça, c'est vraiment une palette qui peut-être va partir avec moi au voyage. Sauf que je ne sais pas encore si je vais partir au voyage. Voilà. Alors, sur ça, je vous laisse. Abonnez-vous, activez une petite cloche, likez cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.